Aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Comment brancher électriquement mes artifices et les tirer soit avec un système de tir pile, soit avec un système de tir à distance. Tout d'abord, la connexion de l'inflammateur au feu d'artifice. Il faut bien comprendre que juste le courant électrique ne va pas déclencher votre feu d'artifice. Il faut rajouter un petit adaptateur qui se présente comme ça. C'est donc un inflammateur. L'inflammateur va transformer le courant électrique en flamme. Donc, dans la logique des choses, c'est l'électricité, l'adaptateur, le feu d'artifice. On va connecter l'inflammateur au feu d'artifice. Pour ça, vous allez dégager votre mèche lente, vous la coupez en deux avec un ciseau pour qu'elle s'ouvre, et vous passez les deux brins de votre mèche directement dans l'embout. Et là, vous scotchez. Donc on a le feu d'artifice qui est connecté, qui est scotché. Et après, on a juste l'alimentation électrique, que ce soit avec un bloc de pile pour tir de feu d'artifice, ou alors on met le système HF Pro une voie à 433 MHz. Donc ça, c'est un petit système qui se déclenche avec la télécommande. Dès que vous appuyez, pouf, ça va déclencher votre feu d'artifice. Donc ça, c'est très pratique. Donc il faudra connecter l'inflammateur à la source électrique. Là, vous avez deux câbles qui sont déjà dénudés. Vous faites toucher le fil de cuivre dessus. Dès que vous faites toucher le deuxième bout, pouf, ça se déclenche immédiatement. Et ici, c'est très simple. Vous insérez donc les deux fils de votre inflammateur, un dans le noir, un dans le rouge. Il n'y a pas de polarité à respecter. Et donc là, on vient tout simplement de voir comment connecter un système de tir avec le feu d'artifice. Donc, relier électriquement, c'est pas compliqué, vous l'avez vu, en quelques secondes ça se fait. Que ce soit avec le système de tir filaire ou à télécommande. Nous, on vous conseillera toujours le modèle avec télécommande parce que c'est plus pratique. Et surtout, ça va évoluer dans le temps. Vous pourrez remettre des boîtiers au fur et à mesure, mais après, c'est vous qui décidez. Et si vous avez des questions, des renseignements, des besoins d'informations complémentaires, vous nous appelez par téléphone, par mail, par chat. On est à votre service. À très bientôt.